my God, regarde. La caméra ici, ce n'est pas bon. Je n'ai pas encore activé mon iPhone. Mes amis. Oh, si j'étais une femme. Oh, mon Dieu. $7, what? $8. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Je suis venu voir un peu Goodwill. Regardez un peu là où je suis. Il y a un peu du soleil, quoi. Un peu du soleil. On va un peu visiter avec vous Goodwill. Aujourd'hui, je suis du Babouche même. Babouchère. Comme ça, là, c'est moi. Comme un Américain. Comme les Afro-Américains. Babouche, moi, comme ça, là. On va entrer ici. On va un peu visiter avec vous Goodwill. Moi, je ne suis pas venu acheter. C'est moi venu voir un peu. Regarde un peu les choses que tu vois. Voir. Ah, les Goodwill, si c'est moi. Non, je n'ai pas seulement aimé. Oh non. Oh, mes amis, si tu vas acheter les habits déjà utilisés à Goodwill, oui, tu peux. Mais les chaussures, jamais. Goodwill, ce n'est pas bon pour les chaussures. Pour les habits, tu peux avoir les t-shirts. Hein? Comme les t-shirts pour aller travailler. Regarde un peu ça. C'est un peu bon les t-shirts ici. Hein. Et bien avec les Goodwill ici, tu peux avoir un bon t-shirt original qu'on n'a pas beaucoup porté. Ça, ce n'est pas Walmart. Parce qu'avec les t-shirts de Walmart, là, ça... Il y a parfois les qualités un peu bas, quoi. Si tu laves ça, tu nettoies. Et puis ça, c'est... Parce qu'ici, c'est souvent les gens... Les gens qui sont un peu stables, là, ils ont des bons vêtements et puis ils viennent... laisser ici. Ça, c'est combien même là? $6. Un t-shirt comme ça, là, tu peux commencer la vie avec. C'est seulement au début, comme ça, tu arrives. Mais parfois aussi, ce n'est pas compensant. Il y a aussi les chemises ici. J'ai déjà une fois, je pense, trois fois comme ça. J'ai déjà trois fois acheté des chemises qu'on n'a jamais utilisées. Trois fois comme ça. Et mes chemises, j'achète pas ça ici. J'achète mes chemises à Zara. J'achète souvent mes chemises à Zara. Si ce n'est pas Zara, j'achète mes... Avec la caméra, ça se voit un peu flou. Mais avec mes yeux comme ça, là, c'est encore neuf. Alors? Ça aussi c'est... Oh, regarde ce que je vous dis. Regarde ce que je vous dis. Regarde ce que je vous dis. On n'a jamais porté. C'est nouveau, 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 nouveau là. $9. Non, $8. Tu vois. Je vous dis que Goodwill ici, quand tu viens ici, tu peux aussi avoir des choses qu'on n'a jamais portées. Sauf que c'est gros. Ça, si tu as ta femme qui est tailleur, oh, tu es bien. Tu peux seulement diminuer. Moi, en Afrique, on diminuait des chemises. Ah, moi, là, j'étais spécialiste. J'étais spécialiste. Parce que là-bas, il y a les habits comme ça. Ça ne te convient pas, mais tu prends seulement. Non, ça c'est... Ils ont beaucoup porté. Ils ont beaucoup porté. Et $9, c'est cher, hein? Les choses sont devenues chères ici à Goodwill. Je sais pas pourquoi. Oui, ça c'est vraiment joli la chemise ici. Ils ont pas porté. Ça c'est pour les cérémonies. Ils ont pas encore porté ça. C'est tout neuf. Non, ça va. Mais j'ai pas aimé les couleurs. C'est comme si c'est quelqu'un qui vient de... d'être baptisé actuellement. Oui, les couleurs comme ça, ce sont les couleurs des responsables. Mais c'est bien les chemises, hein? $5. Ouais, quand même $5, ça va. Ça fait comme ça. Ouais, $6, ça va quand même, hein?
Donc quand même ça va, c'était belle chemise, ça va. Au début comme ça passe. Bon, tu peux aller à Walmart voir une chemise de. Mais la qualité, je parle un peu de la qualité. Ça aussi c'est bien, mais les petits carrés là, c'est comme les chemises des professeurs de mathématiques qui demandent aux élèves de l'argent. Donc je n'ai pas aimé la couleur là, les dessins. Alors on va voir d'autres choses ici. On va un peu se promener. Aujourd'hui c'est. Parfois je. Quand je parle pas de mes activités, babouche seulement comme ça là. Parfois si c'est à l'aise de. Chaque jour porter les cravates là, ça me fatigue. Vos cravates là, ça me fatigue. What? What? You see what? Regarde, c'est nouveau. 19 dollars. Ils n'ont même pas utilisé, les gars achetés. Il a laissé ça dans sa valise pendant des années. Attends un peu. Quelle année? Eh oui, il n'a pas utilisé ça. Ça, c'est la salité. Et c'est Versace? Versace? Non. Et collection. Ah non, c'est pas Versace. Si c'était Versace, même, j'allais même penser de financer collection. J'utilise la caméra de Android. C'est pour cela. What? Ça, c'est Kazamoto, Bomamoto. Ça, c'est le son de veste. Si tu veux faire le théâtre. Les scènes de théâtre, là, tu viens, si tu achètes les vestes ici. Si tu veux devenir comédien, il y a déjà les endroits que tu peux acheter tes histoires pour faire la comédie. Ouais. Des mauvais vestes. Même les vestes des fonctionnaires en Afrique, ce n'est pas comme ça. C'est combien les prix? 10 dollars, 9 dollars, 6 dollars, les prix de 8 dollars, 7 dollars. C'est combien les pantalons ici? 6 dollars. Est-ce qu'ici ils paient aussi les taxes? Oui. Ici dans ces pays, il y a un endroit que tu ne payes pas les taxes. Ils ont des bons jeans, mes amis. Je vais vous montrer d'abord les jeans pour les femmes. Pour les femmes, ils ont des jeans. Ils ont des jeans même. Ils ont des bons jeans pour les femmes. Mais ils aiment plus les jeans. Sorry. Ça, ce sont les jeans des femmes. Pour vraiment les femmes, regarde. C'est encore bon, passable. Pour les femmes, tu ne vas pas manquer les jeans. Mais le problème avec l'Amérique ici, ils n'ont pas des. Ils ont pas des choses un peu. Même si vous partez dans leurs magasins, les jeans là, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas des choses un peu, déjà, un peu trop stylées, à la mode. Ils sont pas vraiment à la mode. Mais ici, quand même, vous pouvez avoir des. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup de jeans. Mais souvent, ils ont de belles jeans ici. Ça, c'est quoi? Tu vois? Ils n'ont même pas utilisé ça. C'est encore nouveau. Les gars, 2 dollars. 2 dollars, mes amis. 2 dollars. 10 dollars pour ça? Non! What? 5 dollars. Et ici, ils disent que. Ah, tu vois, les gens ici sont mauvais. Hein? Au magasin, ils ont vendu ça en 3 dollars. Et Goodwill vend ça à 5 dollars. Ils sont méchants. Hein? Tu vois maintenant qu'ils sont méchants. Qu'ils sont méchants. Ça, c'est un peu joli, hein? Tu vois, ils ont pas, ce n'est même pas utilisé. Ce n'est pas utilisé. Peut-être que quelqu'un a porté, c'est pas pour porter.
tu vois, ce n'est pas encore utilisé. Ce n'est pas encore utilisé, mes amis. Ce n'est pas encore utilisé. Utilisé. Et ça brûle. C'est combien? 7 dollars. Oh mon Dieu. 7 dollars pour avoir l'original comme ça là. Yeah. I'm making video on my YouTube channel showing people. Regarde un peu ça. Ça à dollars comme ça, tu vas pas beaucoup marcher parce que tes pieds là vont devenir poussière. Ça c'est pour les filles de lycée. CES, je n'ai jamais vu ça. CES, c'est pour les filles de lycée là. Regarde les pantalons, tu vois ce que j'ai dit, pantalons que n'a jamais porté les vis. Waouh. Mais tu vois les pantalons nouveaux, ce n'est pas encore utilisé, mais regarde, tu vois leur couleur, tu vois les gros pantalons. Les Américains, vraiment, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Regardez les modes. Oh, Seigneur. Je ne sais pas. Hein? Mais ont des choses là, les souliers, les sandales. Non, c'est joli. Hein? Ça, vraiment, c'est joli. Dollars. Non, pas ça. Pas ça, oh, pas ça. C'est dans les 10 dollars, les prix pareils, tout ça là. J'ai mis la blouse ici. Les bien avec ici, les femmes, ils ont beaucoup des habits. Hein. Waouh. 5 dollars. Mes amis, conseil pour les mariés. Les habits là, on n'achète pas pour les femmes. Les habits là, faut pas acheter la femme. Là. Même si toi tu as aimé, faut pas acheter pour une femme les habits. Elle-même, tu viens avec elle-même sur place. Elle achète. Moi je comprends. Ah, ok. Ça de G-Max. Vous connaissez le G-Max ici? C'est une boutique. Ça c'est bon pour les plages. Hein? À la plage c'est bien. C'est 8 dollars. Ils ont des histoires ici pour les femmes. Tu peux ramasser. Pour les femmes, vraiment, je vous conseille de parfois venir ici. Il y a des choses pareilles que tu peux. Ça c'est pour homme ou c'est pour femme? Faut venir ici, vous pouvez avoir des belles choses comme ça là. Surtout pour les femmes, là vraiment il y a des bonnes choses pour les femmes. Mais c'est rare d'avoir quelque chose de bon ici. Pour les femmes chrétiennes, c'est difficile. Ils ont seulement les choses là de. Il y a des choses que vous pouvez prendre ici. Hein. Mettez un peu de like si je suis aux États-Unis. Je suis dans une boutique qui vend les choses qui ont été jetées, abandonnées. Donc si tu as les choses que tu n'utilises plus, tu as les habits, les choses de la maison que tu portes plus, tu peux venir les cadonner et ils vont vendre pour aider les gens. Ils disent qu'ils aident. Ils ont des organisations, ils ont beaucoup de choses là pour aider les gens.
Il y a cette télévision ici. Celle-là, c'est seulement pour consommer le courant à la maison. Parce que ça pèse même plus qu'une voiture. Les amis, je n'y crois pas. Télévision de 4 dollars. Télévision de 4 dollars. Les amis, télévision de 4 dollars. Je paye 4 dollars. Tu as une télé. 4 dollars. 4 dollars. 4 dollars, tu as une télévision. Ça, ce sont les machines pour le pour la nettoyage du tapis, des tapis. Mais ici, c'est bien, il y a d'autres accessoires comme ça. Ce n'est pas évident d'aller acheter ça au magasin. Sauf les valises ici, je n'ai pas confiance, mes amis, je n'ai pas confiance. Mes amis, s'il vous plaît, quand vous voyagez, il ne faut pas venir acheter les valises à Goodwill. Parce que c'est moins cher. Mes amis, même si c'est moins cher à vue de les valises, parce que je n'ai pas les bonnes valises, mais souvent il y a les valises très moins chères. Jamais acheter les valises à vue de l'huile. Ah, tu sais pas c'est qui a utilisé ça? S'il avait laissé des petites choses dedans là-bas, comment tu vas savoir? S'il a laissé même les petites choses, les petites poussières là-bas à l'intérieur, comment tu vas savoir? Tu seras garé à interpellé à l'aéroport comme ça, tu sais pas comment expliquer. Dis papa. Oh non, j'avais acheté ça à Goodwill, tu avais acheté. Hein? Donc, ça c'est pour les femmes ou c'est pour les hommes? Gods. 12 months. Je ne sais pas si c'est pour les hommes ou c'est pour les femmes. Excuse me. This is for men or boy? Girl or boy? Looks like a boy. Yeah. Oh, a bee is a boy. Yeah. Okay. This one is a for boy. Combien? 4 dollars. Tu vois? Donc, il y a les habits comme ça que tu peux acheter pour ton fils pour qu'il passe pas les froids. Tu vois? Moins cher. Tout ça, ce sont les habits des enfants. Parce que si les habits des enfants sont très chers. Sont vraiment très chers. Tu peux venir acheter les habits de tes enfants ici, peut-être en attendant que tu n'as pas encore commencé le travail, tu vois. Mais non, pas ça. 3 dollars. À Walmart, il y a beaucoup des habits, même là, c'est en promotion. Il faut souvent partir à Walmart, là où il y a les promotions des habits. Différents Walmart, il y a beaucoup de Walmart qui ont fait les promotions des habits. Parfois, ce n'est pas compensant, mais parfois, c'est compensant. Comme les jaquettes là pour le froid. C'est bon, il faut prendre ça. Mais il y a d'autres choses comme ça, il faut un peu balancer. An associate on register number 2, please. Ah, c'est quoi là? Moi, je suis fatigué. Je vous laisse déjà. C'est quoi? Tu vois? Il ne sait même pas faire les pantalons. En fait, mon conseil est que si tu veux acheter les habits à la mode, si tu vis ici aux États-Unis, tu vas acheter les habits à la mode. Mon conseil, si tu es résident ici, prends le bus ou prends l'avion ou prends ta voiture, traverse le Mexique, pars au Mexique, pars là-bas au Mexique. Il y a les villes où je peux te donner pour aller acheter les habits. Parce que là, tu vas acheter les habits qui sont à la mode, quoi. Il y a le t-shirt que tu vas acheter. Il y a les caisses que tu peux acheter. Il y a beaucoup de choses que tu peux acheter là-bas au Mexique. Parce que là-bas, c'est un peu... Il ne faut pas aller au Canada. Le Canada et les États-Unis, c'est la même chose. Parce que là-bas, les gens sont plus... Ils vivent, quoi. C'est un peu comme l'Afrique. Ils sont un peu à la mode. Il y a les habits, tout ça. Les bons habits, même. Sur Internet, là, ce n'est pas mauvais.
Mais la plupart des habits que vous achetez sur Internet, tous les habits que vous achetez sur l'Internet, là, il n'y a pas de bonne qualité. La plupart, il n'y a pas de bonne qualité. Si parfois tu peux ramasser de bonnes choses, hein. Waouh, ça j'ai aimé. Hein. J'ai pas aimé la couleur, mais j'ai aimé le. Waouh. Ah, c'est pour ça, c'est $24. Si c'est comme ça, il laisse. Ça devait être $15. What? Qu'est-ce que je vois? Oh my god, regarde. La caméra ici, ce n'est pas bon. Je n'ai pas encore activé mon iPhone, mes amis. Oh, si j'étais une femme, oh mon dieu. $7, what? $8. C'est quelle marque? Salawid, oh non, je vois les problèmes. Ah, c'est pour cela, c'est déjà. Ah, la dame ici a porté ça. C'est pour cela. C'est pour cela quoi? C'est pour cela quoi, vraiment? Mais c'est joli, hein? Ça l'emporte, ça c'est moi avec les talons. Je m'étonnais parce que moi j'ai une chose comme ça, j'ai acheté ça à $300. J'ai acheté un truc pareil pour les hommes, $300. C'est pour cela que je m'étonnais. Parce qu'il y a un défaut. Ça aussi c'est joli, hein. Pour les femmes, il y a beaucoup de choses ici, dans ces pays ici. Nous les hommes, vraiment, on n'a pas la chance, hein. $15. Mais c'est joli. Parce que ça, là, les nouveaux de ça, là, tu vas payer dans les $40 pour avoir un nouveau. Ça aussi, c'est pas... Ah. Parce que vous voyez avec la caméra, vous voyez pas bien, mais moi, je vois avec mes yeux. Avec mes yeux, c'est propre. La caméra, ça filme pas bien. Mais avec mes yeux, là, je vois ça clairement. Je vois ça clair. Et c'est propre. Les femmes, vous avez de la chance. Vous avez des choses. Hein? Des choses. Hein? Ça, c'est pour les hommes. Vous avez des choses à vous les femmes. Ça c'est encore quoi encore? Les ressusciter Michael Jackson. Hein? Sans vous mentir les femmes, vous avez des choses ici. Hein? Non, je ne crois pas. $6, ça là, mais c'est nouveau encore. Mais pourquoi pour les femmes ils font ça? La caméra ici, ça montre pas bien parce que ce n'est pas iPhone, c'est Android. Regardez, nouveau comme ça, ils n'ont pas encore porté. Ah, regarde-moi, c'est pour les femmes. Regarde-moi ça. Ah non, ils ont déjà porté. Ils ont porté. Vous voyez, ils ont porté. Malgré ils ont porté, il n'y a pas les défauts. $7. Ici, je suis aux États-Unis, je suis dans une maison. On voit que les choses qu'ils ont déjà utilisées, les habits que les Blancs ont utilisés, il y a aussi les habits qu'ils n'ont même pas utilisés, mais ils ont seulement emballé ça. Ils viennent déposer ici. Et les gens ici, ils sont en train de vendre les habits, vous voyez. Tout ici, vous voyez, il y a les habits qu'on a utilisés. Il y a aussi les nouveaux habits qu'on n'a pas utilisés. Mais comme la personne est venue déposer ça ici, ils sont obligés de vendre. Ils ont des choses, hein. Ils ont des choses. Pour les femmes, ils ont des choses, hein. Ça aussi, j'ai aimé, hein.
Ça, c'est pour les femmes qui viennent d'arriver aux États-Unis. Parce que la plupart des femmes ici aux États-Unis, ils ne sont pas skinny. Parce que si tu manges bien, tu te reposes bien, tu as tes dollars, tu auras un peu de poids. Tu auras un peu de poids. Voulu ou pas, tu auras un peu de poids. Ça, c'est 5 dollars. Tu auras un peu de poids. Tu auras un peu de poids. Voulu ou pas, tu auras un peu de poids. Ça, c'est pour les hommes. Les hommes, là, vous avez aussi des t-shirts comme ça, là. Bon, ça c'est déjà parti. C'est déjà parti. Vous avez aussi des chemises comme ça, là. L'Amérique est bon, hein. 6 dollars. Ça, tu viens même... Tu es même étudiant comme ça, tu viens chercher ta vie. Tu vas faire quoi, l'ingénierie. Au début, là, tu n'as même pas beaucoup d'argent. Tu viens ici les dimanches, les matins comme ça. Tu prends même 3 chemises. Et là, quand tu vas finir tes études, là, maintenant, tu vas commencer à saper comme jamais. Mais pour le moment, là, tu as encore une étudiante. Tu viens ici, ça, c'est pour les robes. Ça, c'est pour les sœurs en Christ. J'ai mis la culotte ici, c'est pour les hommes. Ça même, c'est pour les PD même. Parce que la couleur là, pour un homme, ce n'est pas bon. Hein. Excusez-moi les PD. Mais c'est aussi pour vous, non? Oh, j'ai mis la jupe ici. Hein. Waouh! Ça, c'est pour les sœurs là. Les sœurs qui cherchent les problèmes à l'église. Ça même, je ne sais pas, ça vient d'où même. Je pense que ça, c'est pour les hommes. Mais comment c'est dire? Ça, c'est très fort. C'est-à-dire que les tissus, là, c'est comme si... Là, c'est comme la peau des... Non. Parfois aussi, quand c'est trop... Regarde ici. Une seule personne pour les livres. Le monde ici est corrompu. Hein. Deux personnes pour les livres. Regarde pour les habits, beaucoup de gens. Il y a aussi les choses pareilles comme ça là. Un petit blanc là, il a utilisé ça maintenant. Il est venu jeter ça ici. Kabia, c'est combien? On va voir les prix avec vous, mes amis. C'est 12 dollars. Qualité, c'est bon qualité, mais les prix là. Non, non, pas les prix là. Comme ça là. Au Congo, ça va passer. Hein. Mais ici, non, non. Ici, non. Il y a les boots. Ça, j'ai déjà montré. C'est comme si j'ai aimé l'endroit ici. Hein. C'est comme si j'ai aimé l'endroit ici. Est-ce que c'est le vrai cuir même? Non, c'est même pas le vrai cuir. Excusez-moi. Ce n'est pas cuir. C'est bon qualité, mais ce n'est pas cuir original. C'est seulement bon qualité, mais ce n'est pas original, original. Moi, j'ai cuir original, je sais pourquoi je dis ça. Il y avait un moment dans ma vie, j'ai porté seulement les choses, des lignes comme ça. Les t-shirts des lignes, c'est moi. Mes amis, Mes amis, on doit se retirer. Il y a aussi les... Pour les étudiants, c'est bon, non? Tu viens à peine d'arriver en Amérique. Il faut les choses pareilles. Faut pas se compliquer la vie. 19 dollars qui laisse même. Qui rentre. Non, qui rentre même. 19 dollars, tu peux partir au magasin acheter les nouveaux. Je suis pas allé à La Rose, là, il y a beaucoup de souliers de 20 dollars, 30 dollars. Bon. Nous, là.
C'est presque déjà fini. On va aller. Money is money, though. Just for the money of the government? Excuse me. Ils sont ici de... Laisse-moi un peu voir ça. J'aime aussi les choses ici, mais j'aime quand j'achète une chose que je comprends un peu les dessins. Parce que tout dessin n'est pas dessin acheté. Hein. Tu vois, acheter un dessin comme ça, ce sont des mauvais esprits dans ta maison. Mais il faut que je comprenne c'est quoi les dessins. Parce que tu vas commencer à regarder l'image là, chaque jour de ta... dans ta vie. Donc il faut que tu sois conscient de ce que tu fais, mon ami. Bon, je vais vous laisser avec ça. Waouh. Ok. Je vous laisse. Hello? Ça aussi c'est... Oh, regarde ce que je vous dis. Regarde ce que je vous dis. Regarde ce que je vous dis. On n'a jamais porté ce nouveau là. 9 dollars. Non, 8 dollars. Tu vois. Je vous dis que Goodwill ici, quand tu viens ici, tu peux aussi avoir des choses qu'on n'a jamais portées. Sauf que c'est gros. Ça, si tu as ta femme qui est tailleur, oh, tu es bien. Tu peux seulement diminuer. Moi, en Afrique, on diminuait les chemises. Ah! Moi, là, j'étais spécialiste. J'étais spécialiste. Parce que là-bas, il y a les habits comme ça. Ça ne te convient pas, mais tu prends seulement. Non, ça c'est... Ils ont beaucoup porté. Ils ont beaucoup porté. Et 9 dollars, c'est cher, hein? Les choses sont devenues chères ici à Goodwill, je ne sais pas pourquoi. Oui, ça c'est vraiment joli la chemise ici. Ils n'ont pas porté. Ça c'est pour les cérémonies. Ils n'ont pas encore porté ça. C'est tout neuf. Non, ça va. Mais je n'ai pas aimé les couleurs. C'est comme si c'est quelqu'un qui vient de... d'être baptisé actuellement. Les couleurs comme ça, ce sont les couleurs des responsables. Mais c'est bien les chemises, hein? 5 dollars. Ouais, quand même 5 dollars, ça va. Ça fait comme ça. Ouais, 6 dollars, ça va quand même, hein? Donc quand même, ça va. C'est une belle chemise, ça va. Au début, comme ça, parce, bon, tu peux aller à Walmart voir une chemise de... Mais la qualité, je parle un peu de la qualité. Ça aussi, c'est bien, mais... Les petits carrés, là, c'est comme les chemises des professeurs de mathématiques qui demandent aux élèves de l'argent. Donc, je n'ai pas aimé la couleur, là, les dessins. Alors, on va voir d'autres choses ici. On va un peu se promener. Aujourd'hui, c'est... Parfois, je... Quand je pars pas de mes activités, babouche seulement comme ça, là. Parfois, si c'est à l'aise de... Chaque jour, porter les cravates, là, ça me fatigue. Vos cravates, là, ça me fatigue. What? What? You see what I'm seeing? Regarde, c'est nouveau. 19 dollars. Ils ont même pas utilisé, les gars achetés. Il a laissé ça dans sa valise pendant des années. Attends un peu. Quelle année? Eh oui, il a pas utilisé ça. Ça, c'est la salité. Et c'est Versas? Versas? Non. Et collection. Ah non, c'est pas Versas.
Si c'était vexant, c'est même, j'allais même penser de prononcer collection. J'utilise la caméra d'Android. C'est pour cela. What? Ça, c'est Kazamoto Bomamoto. Ça, c'est le son de veste. Si tu veux faire le théâtre, les scènes de théâtre, là, tu viens ici, tu achètes les vestes ici. Si tu veux devenir comédien, il y a déjà les endroits que tu peux acheter tes histoires pour faire la comédie. Ouais. Des mauvais vestes. Même les vestes des fonctionnaires en Afrique, ce n'est pas comme ça. Non. C'est combien les prix? 10 dollars, 9 dollars, 6 dollars. Les prix de 8 dollars, 7 dollars. C'est combien les pantalons ici? 6 dollars. Est-ce qu'ici, ils paient aussi les taxes? Oui. Ici, dans ces pays, il y a un endroit que tu ne payes pas les taxes. Ils ont des bons jeans, mes amis. Je vais vous montrer d'abord les jeans pour les femmes. Pour les femmes, ils ont des jeans. Ils ont des jeans même. Ils ont des bons jeans pour les femmes. Mais eux, ils n'aiment plus les jeans. Sorry. Ça, ce sont les jeans des femmes. Pour vraiment les femmes, regarde. C'est encore bon, passable. Pour les femmes, tu ne vas pas manquer les jeans. Mais le problème avec l'Amérique ici, ils n'ont pas des... Ils n'ont pas des choses un peu... Même si vous partez dans leur magasin, les jeans là, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas des choses un peu, déjà, un peu trop stylées, à la mode. Ils ne sont pas vraiment à la mode. Mais ici, quand même, vous pouvez avoir des... Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment beaucoup de jeans. Mais souvent, ils ont de belles jeans ici. Ça, c'est quoi? Tu vois? Ils n'ont même pas utilisé ça. C'est encore nouveau. Les gars, 2 dollars. 2 dollars, mes amis. 2 dollars. 2 dollars pour ça? Non! What? 5 dollars. Et ici, ils disent que... Ah, tu vois, les gens ici sont mauvais. Hein? Au magasin, ils ont vendu ça en 3 dollars. Et Goodwill vend ça à 5 dollars. Ils sont méchants. Hein? Tu vois maintenant qu'ils sont méchants. Qu'ils sont méchants. Ça, c'est un peu joli, hein? Tu vois, ils ont pas, ce n'est même pas utilisé. Ce n'est pas utilisé. Peut-être que quelqu'un a porté, ça va pour porter. Tu vois, ce n'est pas encore utilisé. Ce n'est pas encore utilisé, mes amis. Ce n'est pas encore utilisé. Utilisé. Et ça brûle. C'est combien? 7 dollars. Oh mon Dieu, 7 dollars pour avoir l'original comme ça là. Yeah. I'm making video on my YouTube channel, showing people. Regarde un peu ça. Ça à dollars comme ça, tu vas pas beaucoup marcher. Parce que tes pieds là vont devenir poussière. Ça, c'est pour les filles de lycée. CES. Je n'ai jamais vu ça. CES. C'est pour les filles de du lycée là. Regarde les pantalons. Tu vois ce que j'ai dit? Pantalons que l'on n'a jamais porté. Levi's. Waouh! Mais tu vois les pantalons nouveaux? Ce n'est pas encore utilisé, mais regarde. Tu vois les couleurs? Tu vois les gros pantalons?
pour les Américains, vraiment. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Regardez les modes. Ah, oh, Seigneur. Je ne sais pas. Hein. Maison des choses là, les souliers, les sandales. Non, c'est joli, hein. Ça, vraiment, c'est joli. $6. Non, pas ça. Pas ça, oh, pas ça. C'est dans les $10, les prix pareils, tout ça là. J'ai mis la blouse ici. Et bien avec ici, les femmes, ils ont beaucoup des habits. Hein. Wow. $5. Mes amis, conseils pour les mariés. Les habits là, on n'achète pas pour les femmes. Les habits là, faut pas acheter la femme. Là. Même si toi tu as aimé, faut pas acheter pour une femme. Les habits. Elle-même, tu viens avec elle-même sur place. Elle achète. Moi, je comprends. Ah, ok. Ça, le G-Max. Vous connaissez le G-Max ici? C'est une boutique. Ça, c'est bon pour les plages. Hein? À la plage, c'est bien. C'est $8. Ils ont des histoires ici pour les femmes. Tu peux ramasser. Pour les femmes, vraiment, je vous conseille de parfois venir ici. Il y a des choses pareilles que tu peux. Ça, c'est pour hommes ou c'est pour femmes? Il faut venir ici, vous pouvez avoir des belles choses comme ça là. Surtout pour les femmes. Là, vraiment, il y a des bonnes choses. Pour les femmes. Mais c'est rare d'avoir quelque chose de bon ici. Pour les femmes chrétiennes, c'est difficile. Ils ont seulement les choses là de mieux que. Il y a des choses que vous pouvez prendre ici. Hein. Mettez un peu de like si je suis aux États-Unis. Je suis dans une boutique qui vend les choses qui ont été jetées, abandonnées. Donc si tu as les choses dont tu n'utilises plus, tu as les habits, les choses de la maison que tu portes plus. Tu peux venir les cadonner et ils vont vendre pour aider les gens. Ils disent qu'ils aident. Ils ont des organisations, ils ont beaucoup de choses là pour aider les gens. Il y a cette télévision ici. Ça, là, c'est seulement pour consommer le courant à la maison. Parce que ça pèse même plus qu'une voiture. Les amis, je n'y crois pas. Télévision de $4. Télévision de $4. Mes amis. Télévision de $4. Tu payes $4. Tu as une télé. $4. $4, tu as une télévision. Ça, ce sont les machines pour le. Pour le nettoyage du tapis, des tapis. Mais ici, c'est bien, il y a d'autres accessoires comme ça. Ce n'est pas évident d'aller acheter ça au magasin. Sauf les valises ici. Je n'ai pas confiance, mes amis. Je n'ai pas confiance. Mes amis, s'il vous plaît, quand vous voyagez, il ne faut pas venir acheter les valises à Goodwill. Parce que c'est moins cher. Mes amis, même si c'est moins cher à Goodwill, les valises. Parce qu'il n'y a pas les bonnes valises. Mais souvent, il y a les valises très moins chères. Jamais acheter les valises à Goodwill. Là, tu sais pas qui a utilisé ça? S'il avait laissé des petites choses dedans là-bas, comment tu vas savoir?
S'il a laissé même les petits choses, les petits poussières là-bas à l'intérieur, comment tu vas savoir? Tu seras garé à l'aéroport. Interpellé à l'aéroport comme ça, tu ne sais pas comment expliquer. Dis pas quoi. Oh non, j'avais acheté ça à Goodwill, tu avais acheté. Hein? Donc, ça c'est pour les femmes ou c'est pour les hommes? Gods. 12 months. Je ne sais pas si c'est pour les hommes ou c'est pour les femmes. Excuse me. Because this is for men or boy? Girl or boy? Looks like a boy. Yeah. Oh. A bee is a boy. Yeah. Okay. This one is for boy. Combien? $4. Tu vois? Donc, il y a les habits comme ça que tu peux acheter pour ton fils pour qu'il ne passe pas les froids. Tu vois? Moins cher. Tout ça, ce sont les habits des enfants. Parce que si les habits des enfants sont très chers, sont vraiment très chers, tu peux venir acheter les habits de tes enfants ici, peut-être en attendant que tu n'as pas encore commencé le travail, tu vois. Mais non, pas ça. $3. À Walmart, il y a beaucoup des habits, même là, c'est en promotion. Il faut souvent partir à Walmart, là où il y a les promotions des habits. Différents Walmart, il y a beaucoup de Walmart qui ont fait les promotions des habits. Parfois, ce n'est pas compensant, mais parfois, c'est compensant. Comme les jaquettes là pour le froid, c'est bon, il faut prendre ça. Mais d'autres choses comme ça, il faut un peu balancer. And associate on register number 2, please. Moi je suis fatigué. Je vous laisse déjà. Ça même c'est quoi? Ça aussi c'est joli, hein. Pour les femmes, il y a beaucoup de choses ici, dans ces pays ici. Nous les hommes, nous les hommes, vraiment, on n'a pas la chance, hein. $15. Mais c'est joli. Parce que ça, le nouveau de ça, là, tu vas payer dans les $40 pour avoir un nouveau. Ça aussi, c'est pas... Ah. Parce que vous voyez avec la caméra, vous voyez pas bien, mais moi, je vois avec mes yeux. Avec mes yeux, c'est propre. La caméra, ça filme pas bien. Mais avec mes yeux, là, je vois ça clairement. Je vois ça clair. Et c'est propre. Les femmes, vous avez de la chance. Vous avez des choses. Hein? Des choses. Hein? Ça, c'est pour les hommes. Vous avez des choses à vous, les femmes. Ça, c'est encore quoi encore? Les ressuscités Michael Jackson. Hein? Sans vous mentir, les femmes, vous avez des choses ici. Hein? Non, je ne crois pas. $6, ça là, mais c'est nouveau encore. Mais pourquoi pour les femmes ils font ça? La caméra, ça montre pas bien parce que ce n'est pas iPhone, c'est Android. Regardez, nouveau comme ça, ils n'ont pas encore porté. Ah, regarde-moi, c'est pour les femmes, regarde-moi ça. Ah non, ils ont déjà porté, ils ont porté. Vous voyez, ils ont porté. Malgré ils ont porté, il n'y a pas les défauts. $7.
7 dollars. 7 dollars. Ici, je suis aux États-Unis, je suis dans une maison. On voit que les choses qu'ils ont déjà utilisées, les habits que les Blancs ont utilisés, il y a aussi les habits qu'ils n'ont même pas utilisés, mais ils ont seulement emballé ça. Ils viennent déposer ici. Et les gens ici, ils sont en train de vendre les habits, vous voyez. Tout ici, vous voyez, il y a les habits qu'on a utilisés. Il y a aussi les nouveaux habits qu'on n'a pas utilisés. Mais comme la personne est venue déposer ça ici, ils sont obligés de vendre. Ils ont des choses, hein. Ils ont des choses. Pour les femmes, ils ont des choses. Hein. Ça aussi, j'ai aimé. Hein. Ça, c'est pour les femmes qui viennent d'arriver aux États-Unis. Parce que la plupart des femmes ici aux États-Unis, ils ne sont pas skinny. Parce que si tu manges bien, tu te reposes bien, tu as tes dollars, tu auras un peu de poids. Tu auras un peu de poids. Voulu ou pas, tu auras un peu de poids. Ça, c'est 5 dollars. Tu auras un peu de poids. Tu auras un peu de poids. Voulu ou pas, tu auras un peu de poids. Ça, c'est pour les hommes. Les hommes, là, vous avez aussi des t-shirts comme ça, là. Bon, ça, c'est déjà parti. C'est déjà parti. Vous avez aussi des chemises comme ça, là. L'Amérique est bon, hein. 6 dollars. Ça, tu viens même, tu es même étudiant comme ça, tu viens chercher ta vie. Tu vas faire quoi, l'ingénierie. Au début, là, tu n'as même pas beaucoup d'argent. Tu viens ici les dimanches, les matins comme ça. Tu prends même 3 chemises. Et là, quand tu vas finir tes études, là, maintenant, tu vas commencer à saper comme jamais. Mais pour le moment, là, tu as encore une étudiante. Tu viens ici, ça, c'est pour les robes. Ça, c'est pour les sœurs en Christ. Oh, j'ai mis la culotte ici, c'est pour les hommes. Ça même, c'est pour les PD même. Parce que la couleur là, pour un homme, ce n'est pas bon. Hein. Excusez-moi les PD. Mais c'est aussi pour vous, non? Oh, j'ai mis la jupe ici. Hein. Waouh! Ça, c'est pour les sœurs là. Les sœurs qui cherchent les problèmes à l'église. Ça même, je ne sais pas, ça vient d'où même. Je pense que ça, c'est pour les hommes. Mais comment c'est dire? Ça, c'est très fort. C'est-à-dire que les tissus, là, c'est comme si... Là, c'est comme la peau des... Non. Parfois aussi, quand c'est trop... Regarde ici. Une seule personne pour les livres. Le monde ici est corrompu. Hein. Deux personnes pour les livres. Regarde pour les habits, beaucoup de gens. Il y a aussi les choses pareilles comme ça là. Un petit blanc là, il a utilisé ça maintenant. Il est venu jeter ça ici. Kabia, c'est combien? On va voir les prix avec vous, mes amis. C'est 12 dollars. Qualité, c'est bon qualité, mais les prix là. Non, non, pas les prix là. Comme ça là. Au Congo, ça va passer. Hein. Mais ici, non, non. Ici, non. Il y a les boots. Ça, j'ai déjà montré. C'est comme si j'ai aimé l'endroit ici. Hein. C'est comme si j'ai aimé l'endroit ici. Est-ce que c'est le vrai cuir même? Non, c'est même pas le vrai cuir. Excusez-moi. Ce n'est pas cuir. C'est bon qualité, mais ce n'est pas cuir original. C'est seulement bon qualité, mais ce n'est pas original, original. Moi, j'ai cuir original, je sais pourquoi je dis ça. Il y avait un moment dans ma vie, j'ai porté seulement les choses, des lignes comme ça, les t-shirts des lignes, c'est moi. Mes amis, là. Mes amis, là. On doit se retirer.
Il y a aussi les... Pour les étudiants, c'est bon, non? Tu viens à peine d'arriver en Amérique. Ils font les choses pareilles. Faut pas se compliquer la vie. 19 dollars qui laisse même. Qui rentre. Non, qui rentre même. 19 dollars, tu peux partir au magasin acheter les nouveaux. Je suis pas allé à La Rose, là, il y a beaucoup de souliers de 20 dollars, 30 dollars. Bon. Voilà. C'est presque déjà fini. On va aller. Money is money, though. Just for the money of the government? Excuse me. Ils sont ici de... Laisse-moi un peu voir ça. J'aime aussi les choses ici, mais j'aime quand j'achète une chose que je comprends un peu les dessins. Parce que tout dessin n'est pas dessin acheté. Hein. Tu vois, acheter un dessin comme ça, ce sont des mauvais esprits dans ta maison. Mais il faut que je comprenne c'est quoi les dessins. Parce que tu vas commencer à regarder l'image là chaque jour de ta... dans ta vie. Donc il faut que tu sois conscient de ce que tu fais, mon ami. Bon, je vais vous laisser avec ça. Wow. Bon. Ok. Je vous laisse. Chaque jour de ta, dans ta vie, donc il faut que tu sois conscient de ce que tu fais, mon ami. Bon, je vais vous laisser avec ça. Wow. Bon. Ok. Je vous laisse. Hey, Okabea. Salut les amis, ça va chez vous? Ça va? Moi, je m'appelle El Kabea. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ou tu es ancien, tu reviens encore. Une fois de plus, merci beaucoup pour votre fidélité. 5 avantages d'aller au Canada l'année prochaine. L'année prochaine, tout le monde veut chercher quoi faire, recommencer un peu la vie, tenter là où ça n'a pas marché pour aller. Avantages d'aller au Canada. 5 avantages d'aller vivre au Canada l'année prochaine. Premier avantage, pouvoir d'achat. Tu sais, tu es en Afrique. Je ne sais pas où est-ce que tu es en Inde, tu es quelque part. Le pouvoir d'achat du Canada, vraiment, ce n'est pas comparable. Il y a un peu l'avion qui passe ici au-dessus. Le pouvoir d'achat au Canada, vous n'avez pas idée. Au Canada, n'importe qui peut acheter n'importe quoi. Ce n'est pas chez nous, tu vois. Il faut seulement avoir beaucoup d'argent pour un peu acheter chaque soir les pizzas. Au Canada, tu peux acheter les pizzas chaque jour, matin, midi, soir. Tu peux tout acheter. Donc, n'importe qui peut acheter n'importe quoi quand il veut. Il n'y a pas question que moi, je suis pauvre, non. Et aussi, à part le pouvoir d'achat, les achats que tu vas acheter, il y a encore beaucoup de choses que tu peux acheter gratuit, sans argent. Sans argent. Tu peux aller prendre le riz. Tu peux aller prendre le maïs, tu peux aller prendre l'haricot, tu peux aller prendre la viande gratuite sans payer, tu vois. La nourriture gratuite, mon ami. Il y a beaucoup d'endroits, il y a même des endroits qui ont peut te donner même l'argent comme ça, tu prends l'argent pour aller acheter la nourriture. Donc le pouvoir d'achat, c'est rien au Canada. C'est vraiment très important parce que regarde, toi. Tu travailles pour quoi? Pour payer les manger pour ta famille, non? Pour payer ceci. C'est pour ça que tu travailles pendant 15 jours pour payer ses mains. Mais si tu pars au Canada, pense un peu. Hein? Deuxième point que je veux parler, mes amis, si vous aimez cette vidéo, si vous habitez au Canada, dites-moi un peu là où vous habitez. Vous êtes du Québec? Vous êtes d'où? D'où vous êtes?
d'où vous êtes du Canada, dans quelle ville tu habites. Et si tu me suis en Afrique, partout au monde, dis-moi la ville et le pays. Et mets ça ici sur commentaire, je vais savoir quels sont les gens qui me suivent. Alors, éducation. Mes amis, il faut pas s'amuser pour prendre même les visas du Canada comme ça pour aller étudier. Ce n'est pas facile. Hein. C'est un plus compliqué même des États-Unis. Le Canada, c'est difficile pour avoir les visas d'études. Parce que l'éducation, tu n'as pas aidé. Au Canada, l'éducation, tu n'as pas aidé. Tu n'as pas aidé avec l'éducation. C'est vraiment très accessible quand tu es au Canada d'étudier. Les frais sont très accessibles. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de complications pour étudier. Et au Canada, même si tu ne comprends pas les matières, les profs sont même patients. Tu vois les Français comme les Français sont. Patients. Il veut que tu puisses connaître. Tu puisses vraiment connaître. Et là-bas, on ne te fait pas étudier pour que tu réussisses, mais pour que tu puisses apprendre. Quand ça passe pas, les professeurs, là, non, fais ceci, ça plus ça égale comme ça. Tu vois, l'éducation même. Les enfants partent à l'école, les enfants mangent à l'école, les enfants sont bien gâtés même. Ce n'est pas comme chez nous, les enfants, les professeurs ne sont pas bien payés, non. Là-bas, l'éducation, c'est top, 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 top. Et l'autre chose aussi au Canada, c'est difficile. Oh non, c'est lui qui avait tué quelqu'un, c'est lui qui avait fait ceci. Là-bas, c'est difficile pour avoir ces sales histoires comme ça de la sécurité. Parce que le Canada, c'est un pays de paix. Moi, je vois le Canada comme la Suisse. Les gens sont calmes, les vieillards là. Tu vois le vieux papa là, ils n'aiment pas se compliquer la vie. Ils sont là. Oh, welcome. Bienvenue au Canada. Ici, c'est notre pays. Tu vois, les papas avaient la douceur de parler. Un papa qui parle avait la douceur. Les gens sont calmes, tu vois. La vie est belle. Profitez un peu du froid. Tu vois, les gens ne se compliquent pas. Donc, quelqu'un n'est pas là pour déranger la vie de quelqu'un comme en Afrique. Vous travaillez. Mais tu vois, ton collègue là, vous prenez le même salaire, mais lui, il fait toujours l'effort de te mettre un peu comme ça pour qu'on te chasse seulement. Même si on te chasse, lui, il va devenir qui? Tu vois? Tu vois les mal hein, de l'africanisme. Mais au Canada, tu vois, la sécurité, personne ne va te faire du mal. Personne. Vous êtes là. Et il y a encore quelque chose que j'ai beaucoup aimé au Canada, c'est le respect. Moi, je voyais souvent en Afrique une femme enceinte debout avec son enfant encore. Et dans le but, tu vois les gaillards qui sont assis. Non, c'est méchant. Oh, s'il te plaît, maman, tu peux t'asseoir. Quand tu vois une personne qui est debout, toi, tu es petit. Non. La personne qui est grande, il va s'asseoir. Tu vois les respects. On respecte les femmes enceintes. On respecte les handicapés. Tout le monde est respecté. Tu vas voir que tu vas cogner dans quelqu'un comme ça, la personne te demande même pardon. Pourtant, c'est toi qui as fait du mal. Tu vois un peu les sens, les morales même. Tu vois les morales, les bien. Tu sais, quand tu arrives au Canada, tu as envie de vivre. C'est pour ça les gens qui grossissent même sans manger. Tu vois comment... Ah, mon ami, tu vois l'air ici qu'on respire ici. Non, parfois l'air aussi, c'est différent. Tu vois l'air du Congo, quand tu respires un peu l'air, tu vois vers 9h, 10h, 11h de Kinshasa ou de Lomé. Tu vois l'air là que vous respirez. Ici, c'est différent. Tu sens l'amour dans l'air. Et ce que j'aime beaucoup avec le Canada aussi, c'est les salaires. Ici, on paye par heure. Hein? Ici, on paye par heure. Donc, tu seras bien payé. On va bien te payer même au Canada. Va bien te payer. Et ici, il y a beaucoup de choses que tu peux faire et gagner beaucoup d'argent que je ne peux pas dire ici. Mais si tu as aimé ce genre de contenu, abonne-toi. Dis-moi, je veux encore que tu fasses beaucoup de vidéos pour nous. Alors, je vais faire encore beaucoup de vidéos pour vous. Donc, et la chose que je voulais encore dire, c'est... Il y a des gens qui disent oui, les salaires, mais il y a beaucoup des impôts. Oui, les impôts, c'est bien. Les impôts que tu... C'est pour ça que tu vas voir au Canada, il n'y a pas de routes avec des trous.
Parce que ce sont les impôts qui aident pour aller asphalter les routes, pour aller un peu arranger les infrastructures au pays, pour aller un peu arranger, tu vois. Et l'impôt là, chaque année, on te remet même l'impôt même. Donc tu paies les impôts, mais quand l'année finit, donc tu peux récupérer encore l'impôt. Tu vois l'avantage. Et je pense que j'ai beaucoup dit avec cette vidéo. Et je n'ai pas oublié quelque chose. Je suis ici, quelque part ici. J'ai un peu aimé un peu le fond du diapresse. Santé, mes amis. Donc pour la santé, non. J'ai fait la comparaison, le Canada, les États-Unis. Mais santé, il n'y a pas à comparer. Canada, il n'y a pas à comparer. Tu appelles l'ambulance, maintenant ici. L'ambulance dans 2 minutes. Dans 2 minutes, l'ambulance vient. M'appelez un peu l'ambulance. Appelez un peu l'ambulance à Abidjan pour voir. Appelez un peu l'ambulance. Même quand on dit beaucoup de stars sont morts là-bas à Abidjan, c'est parce qu'il n'y avait pas de bonnes ambulances. Oh, quelqu'un est mort sur place. Il y a des morts là même, c'est difficile que quelqu'un est mort sur place. C'est parce qu'ils ont traîné la route là pour arriver à l'hôpital, même la personne est morte en route. Tu vois. Et la santé, je pense qu'il n'y a pas, quelque chose à dire. C'est d'abord gratuit, tu peux pas payer de l'argent. Moi, j'ai des gens que je connais qui ont fait des opérations tout gratuit. Tu vois, rien payer. Pour la santé, c'est tic-tac. Donc, sauf seulement une chose. Au Canada, quand tu es très malade, ne pars pas directement à l'hôpital. Tu vas un peu traîner. On va te traîner un peu parce que tu veux venir à l'hôpital par toi-même. Mais si tu viens avec l'ambulance, on va directement te traiter. Donc, c'est mauvais quand tu es très malade de partir seul. Mais pour l'ambulance, c'est comme si tu vas payer toi-même l'ambulance. Parce que l'ambulance, c'est comme du taxi. Non, c'est notre service. Non. Oui. Mais il faut aller. Tu vois que ça ne va plus. Il faut aller directement. Et c'est bon d'avoir les numéros de l'ambulance dans ton téléphone. C'est bon. 10 minutes, ça va. Merci beaucoup pour votre patience. Je vous dis merci. Abonne-toi sur ma chaîne. On se revoit à la prochaine numéro.